Espace 2, Claude Delcher. Un écrivain, dramaturge et poète hongrois de la première moitié du XXe siècle dans notre émission cette semaine, Frigyes Kerinti. C'est Méridienne, bienvenue à vous. Tout à la fois humoriste, philosophe visionnaire et poète, Frigyes Kerinti fait paraître en 1936 un recueil de nouvelles intitulé « La ballade des hommes muets ». Tourmenté dès l'enfance par le mystère féminin, Kerinti réunit dans ce livre des récits qui donnent un aperçu original sur ce mystère et plus généralement sur les relations hommes-femmes. Il analyse méticuleusement les ressorts de la cruauté et les mesquineries individuelles. Critique aiguë des imperfections humaines, il peut se montrer indulgent ou compréhensif envers ses héros, mais sans cesse il traque leurs travers. Ce recueil, La ballade des hommes muets, est publié de nos jours en français aux éditions des Sirtes dans une traduction de Judith et Pierre Kerinti.